Eh bien, salut à tous les amis, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Voilà, et donc, aujourd'hui, les amis, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Broncavan. Nous allons réagir ensemble en vidéo sur la nouvelle mise à jour. C'est-à-dire la nouvelle mise à jour de la nouvelle maison qui vient de sortir sur Broncavan. Donc, nous allons choisir un emplacement. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Hop. Donc, la nouvelle maison, elle est ici. Voilà. Ok. Ah, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, c'est super joli. Waouh, je trouve ça magnifique avec la végétation. Il y a beaucoup de lumière, c'est beaucoup éclairé, tout ça. Ah, je trouve ça magnifique avec le garage et tout. Ah, je trouve ça trop beau. Le garage, j'aime bien le garage comme ça qui descend en pente. Moi, je trouve ça super joli. Donc ici, qu'est-ce que c'est on tombe ici et je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Entre une cuisine ou je sais pas, c'est chelou. Je vois pas ce que c'est, ça je sais pas. Ça doit être un compteur, bon, je suppose. Ok, donc ici. Ah par contre, ah, la porte est juste ici, ouais. Ah, je trouve ça super joli et tout. Ah ouais, il y a un petit truc pour monter et tout. Ah, c'est super sympa et tout, avec l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette lumière? Ah, c'est pour éteindre toutes les lumières qui éclairent la végétation. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bouton-là? Ah ok, c'est un stand de bouquets de fleurs et de légumes, enfin de fruits et de tout. Ah, c'est super sympa. Ouais, c'est sympa, je trouve que c'est assez joli. Ah, ils ont mis une piscine, je crois pas, les amis. Wow, parce qu'il faut se dire que vous la piscine pour l'avoir, il faut avoir le pass premium. C'est-à-dire qu'il faut avoir le pass premium pour placer une piscine. Et là, vous voyez, là, on peut la placer, moi je peux la placer, mais si vous n'avez pas de repus, vous ne pourrez pas la placer dans votre maison, c'est ça qui est dommage. Et là, le créateur, enfin, le développeur du jeu, a fait un petit effort et a mis une piscine, je trouve ça super génial de sa part. Donc, bravo au développeur du jeu. À la cuisine, ça trouve super belle. Wow. Franchement, la cuisine, ça envoie du lourd. Wow. En plus, elle est beaucoup éclairée, tout ça, il y a beaucoup de lumière. Et là, il y a voilà, c'est joli, il y a des grandes fenêtres et tout. Je trouve ça super moderne et tout, le frigo et tout, c'est super joli. Il y a une petite cheminée et tout, franchement c'est joli. Par contre, le seul point négatif, je trouve que la table elle est pas assez assortie avec le thème de la cuisine. Enfin, il y a bien les couleurs, mais je veux dire c'est pas assez moderne. Je trouve que la table elle est pas trop folichon. Donc voilà. Mais ils se sont améliorés au niveau des tables parce qu'avant c'était pas trop le cas, je trouve. Donc on monte à l'étage. Alors là on commence à être un peu perdu. Voilà, on commence à être un peu perdu, on sait pas où on se trouve. Là, on sait qu'il y a une chambre. Ah, la télé, elle est super stylée. Suspendue avec... elle est suspendue avec deux traits, voilà. Deux morceaux en ferraille. Ça, c'est sympa. Ici, qu'est-ce que c'est qu'ici? Ah, c'est la salle de bain. Ah ouais, par contre,
si vous voulez prendre votre douche tranquille, vous n'êtes pas vraiment tranquille, surtout quand vous êtes aux toilettes, parce qu'on voit tout à travers le carreau, donc c'est pas terrible, quoi. Après, qui va regarder les gens sérieusement, je me demande. Donc, on continue la visite. Ah, ok, un long couloir. Là, on ne peut pas rentrer. Ah, ok. On ne peut pas rentrer. C'est juste pour la déco. Parce que quand on regarde comme ça, les amis, on a l'impression que c'est un balcon. Donc, voilà. Ah, ok. C'est sympa tout ça. Et là, c'est la chambre pour les enfants. Tout ça. Ouais, c'est sympa. Ok, pour la visite de la maison. Ok, bon, là, c'est sympa tout ça. Ok, ok. Mais sinon, franchement, la maison est sympa. En plus, ils ont fait un gros effort sur la piscine. Ils ont mis des piscines pour les gens qui n'ont pas de Robux. Donc, c'est ça. C'est super. C'est super pour les gens qui n'ont pas de Robux. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo sur la nouvelle mise à jour de Bookavan vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est toujours pas fait, c'était David. Ciao.